Avant même de démarrer sur la définition du content marketing, pourquoi on en est là? Je vais reprendre un article de Mark Schaeffer. Mark Schaeffer, c'est un grand blogueur américain. Vous pouvez le voir sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je l'ai interviewé il y a 1 ou 2 ans sur le sujet de son livre qui s'appelle Known, connu. Et dans cet article qui s'appelle Why Marketing is Lost, pourquoi les marketeurs sont-ils perdus? Eh bien, Mark Schaeffer explique que dans toutes les professions, on utilise les technologies pour faciliter la vie des gens, pour résoudre des problèmes. Et puis, en fait, en marketing, malheureusement, et il dit, je le déplore parce que c'est ma profession, ben, c'est un grand marketeur, hein. Et je le déplore, en marketing, on utilise surtout les technologies pour casser les pieds aux gens. Eh bien, ça, c'est un précepte très important qui guide l'ensemble de notre réflexion autour du content marketing, du marketing du bouche à oreille et des médias sociaux. Alors, l'objectif, il va être de se soustraire à cette logique de casse-pied et de retrouver un lien, hein, comme ça me rappelle la fameuse phrase de Bernard Cova, le lien importe plus que le bien, retrouver un lien avec ses lecteurs, son audience, etc. J'y reviendrai dans 1 seconde. Et pour cela, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous rappeler le contexte, une petite vidéo de Microsoft que je trouve très sympa. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance to talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot-tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. Would you keep your voice down? You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. Why don't you be like the old days? Alors, vous avez vu dans cette vidéo de Microsoft, le consommateur, ou plutôt la consommatrice, qui veut divorcer de l'annonceur, advertiser en anglais, l'annonceur, qui n'écoute rien de ce qu'elle raconte, qui prétend tout savoir d'elle, mais en fait c'est uniquement ses données, donc on lui a volé ses données, on sait combien elle mesure, on sait combien elle dépense, on sait, mais en fait ne s'intéresse pas à la personne qu'il a en face d'elle, et dès qu'elle lui appose une contradiction, clac, il envoie un message, ça c'est typique. Le message en publicité, un message, quelque chose de descendant. Et en content marketing, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, on va utiliser l'écoute, mais l'écoute active, pour pouvoir entamer un dialogue. On va y revenir pour se poser qu'est-ce que c'est cette notion de content marketing et comment on peut élargir sa définition.